Gagner un pile gros événement qui a passé dans le monde là, que je voulais mettre au courant en dedans vidéo si là. Gagner président pays Sénégal là, Monsieur Macky Sall, qui pas rêvé quitter pouvoir, qui même renvoyé élection, mais qui a quitté le quand même. Gagner yon déposam français yon trouvé dans un pays africain. Que un pile moun ta fait connaître, c'est peut-être un coup d'État ou t'a paré pour diriger un pays ici là. M'pral bon détail. États-Unis pral faire gros exercice à l'échelle mondiale dans affaires militaires. FMI tout tombé d'accord avec pays Ukraine. Ambassade pays la Russie voyait une note. Un bien, by département d'État américain pour Joe Biden. Eh bien, le président Joe Biden tout et bien qui rencontrait et bien veuve là qui c'est madame Alexei Navalny a un paquet l'autre détail qui me le mettre dans main. Gagné nouveau commandant force l'armée pays Ukraine Alexandre Siski qui visitait et bien plusieurs postes de commandement dans ligne de front. Et puis tout gagné drone que Ukraine intercepté dans la capitale là gagné un pile détail que m'bral bon en dedans vidéo ça mais espérez ou prend chaise bon ou chita ou gagne droit par un courant même pas manquer mettez au courant de ça qui a passé et bien dans monde là m'pa arrêter en pile puisque détail yo en pile moi salue chaque patriote haïtien. Dans les États-Unis, Canada, République Dominicaine, Nassau, Bahamas, Guyane, Guadeloupe, Brésil, Chili et pays d'Haïti. Le président sénégalais, Monsieur Macky Sall, a assuré son mandat se terminerait comme prévu le 2 avril. Par ailleurs, il a laissé en suspens la date de la présidentielle, donc il avait décrété les reports. Monsieur Ategen pour le faire élection présidentielle, il renvoyé date là. Et mes mandats finis, dans le mois d'avril, il rentre là, il doit aller qu'il fait élection, qu'il pas fait élection, c'est sa opposition à mandé. Eh bien, yon Asnal, zam de guerre, pays la France, eh bien, découvri dans un village qui est le Niamey, Asnal, zam si la lui-même, selon nouvelle autorité yo. Eh bien, l'Itabral servit comme perpétration d'un coup d'État contre le général Abdourahmane Tiani. Des exercices militaires à grande échelle impliquant les États-Unis et les alliés débuteront en fin février et dureront jusqu'à mois juin, a indiqué le Pentagone, département défense des États-Unis. États-Unis réunis alliés liés, les rassemblés, eh bien, pour faire un exercice militaire. Un exercice qui paraît avec exercice, puisqu'il a sorti février, fin février, ou après mars, ou après avril, ou après mai, pour projet. Gagné FMI qui tombait d'accord avec le pays Ukraine, eh bien, pour y prêter 880 millions de dollars. Pour continuer de défendre territoire, c'est ça yon annoncé. Eh bien, ambassade pays la Russie voyait yon note by département d'État américain en raison des insultes que Joe Biden te fait envers président russe là, Vladimir Poutine. La dégage non, ainsi l'ou pas de gros bêtes nous yon a entendu ou bien a fait ça n'a fait. Président Joe Biden tout, eh bien, il était rencontré veuve Alexei Navalny, qui donc madame là, eh bien, les États-Unis annonceront de nouvelles sanctions anti-russes aujourd'hui, a déclaré la Maison-Blanche. Vladimir Poutine a félicité les Russes à l'occasion de la journée du défenseur de la patrie. Il y a un jour spécial, eh bien, il prend dans le pays la Russie, il met le comme, eh bien, qui se journée dit défenseur de la patrie, journée pour Wiscap défendre le pays. Gagné à Benito qui suspendit participation li à l'organisation du traité de sécurité collective, OTSC, qui se yon autant numéro de la Russie lui-même li te créé,
avec ancien pays soviétique qui va te la guerre yo. Le point Arménie, eh bien, OTSCA, il signifie Organisation du traité de sécurité collective, autant Organisation du traité Atlantique Nord-Ouest, well, autant OSTC, ou OTA, Organisation du traité, il trouvait dans le commencement des organisations. Yo. Eh bien, c'est sous autant la Russie t'a regardé pour créer, mais pas là, pas marché. Bon, mais il y a des gens qui ont suspendu la participation là-dedans. Eh bien, gagné là, eh bien, membre fondateur, la Russie, Arménie, le Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, le Tadjikistan a déclaré le premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Eh bien, pas de problème, Nikol Pachinian, ou prend décision, peut-être c'est ouais ou elle a bon pour vous, même pas surtout tout prendre comme ça. Le nouveau commandant en chef de l'armée ukrainienne, Alexandre Siski, a visité plusieurs postes de commandement sur le front accompagné du ministre de la Défense, Roustem Oumerov, annonce-t-il sur Facebook sans préciser quelle date. J'ai souligné l'importance de la coordination et de la bonne coopération opérationnelle de toutes les forces de défense, ainsi que la nécessité de sauver la vie de nos militaires, écrit l'officier. Quel que soit Jean préparé, ça t'est arrivé sous Valéry Zaloujny en tant que commandant, ou même comme nouveau commandant qui remplaçait la privée, parce que nous pas épargner ça. C'est un gros qui a gommé à petit, un gros qui plein d'âme, qui a gommé à petit, à bas d'âme. J'ai pris des décisions immédiates pour améliorer la capacité de combat, la résilience et la gestion. Malgré la situation difficile, nos soldats tiennent courageusement les lignes et les positions. L'ennemi subit des pertes irréparables, a-t-il ajouté. En tout cas, Alexandre Siski, au connant de langage militaire, ou pas le bail parole jusqu'au bout, mais résultat d'attendre, eh bien, ou tout simplement besoin de lever des filles. Le général Siski, qui a succédé le 8 février à Valéry Zaloujny, a fait de la préservation de la vie de ses soldats une priorité. Il s'était déjà rendu sur le front avec le ministre de la Défense il y a une dizaine de jours. Eh bien, pas de problème, monsieur Alexandre Siski, dégageons pour sauver la vie soldat si ça possible. Des drones interceptés dans la région de Kiev, selon les autorités militaires locales. Plusieurs drones ont été interceptés dans la région de Kiev où l'alerte aérienne a été en vigueur pendant des heures, annonce Rusklan Kravchenko, chef de l'administration militaire de l'oblast. Les débris se sont abattus dans des zones inhabitées, précise-t-il sur Facebook. En tous les cas, malgré drone lui-même yo t'a rentré dans le pays ukrainien, pas fait des dégâts, eh bien débris lui-même yo tombé dans zone côté moun pas habité. L'armée ukrainienne avait auparavant annoncé la destruction de 16 des 18 drones lancés par l'armée russe, sans dire si les deux qui ont été échappés à la défense aérienne avaient fait des dégâts. Ou pas besoin de dire fait des dégâts parce que s'il pas fait des dégâts, ou t'as venu dire dans le journal. Eh bien, pas de problème. C'est comme ça situation est. Eh bien, dans le pays Ukraine, qui n'a pas suivi toute bagaille de près et de loin, est-ce que l'Ukraine a gagné une guerre? Est-ce que l'Ukraine a perdu une guerre? C'est qui j'en ça a fait? Même les gens qui parlent dans la zone qui gagne courant, ils sont au courant de ça. Placez, abonnez-vous, activez cloche notification, restez connectés. L'amour pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.